aujourd'hui donc, aux alentours de Bruxelles, à Château Castillon, où en fait nous dégustons dans un événement exclusif les vins du Château Castillon qui se trouve dans l'Aude. Nous allons faire l'interview du propriétaire. Madame Verstraat, les propriétaires du château Castillon, qui sont des Belges, qui nous ont fait le grand plaisir de nous recevoir ici dans la banlieue de Bruxelles pour une belle journée de présentation de leur vin. Et donc je voudrais demander à monsieur et madame Verstraat de présenter de manière brève leur domaine, le château Castillon, qui se situe dans l'Aude. On a un domaine qui est entouré de la garrigue, on a des cépages différentes, on a une douzaine. Carignan, Bourbèdre, Saint-Saud, Grenache, Merlot, Grenache gris, Roussanne, Marsanne, Viognier. Clairette. Clairette. Et on fait 12 vins différentes aussi. On commence avec du rosé. Une gamme très étendue, oui. On fait du vin pour chaque moment, chaque repas, chaque occasion. On commence avec un rosé brut et on finale avec un autre vin. Et on a une gamme en rouge, en blanc. En fait, on peut commencer le dîner avec le pétillant et on peut terminer avec un dolce, avec un vin doux. Avec un vin doux et même avec un autre vin. Ah oui, avec une autre vie également. Voilà, donc qu'on n'a pas présenté aujourd'hui. Mais vous distillez alors de par un distillateur qui vient ambulant. Vous n'avez pas d'alambic chez vous à la propriété. On a eu la chance d'avoir un jeune dans le village à 7 km de chez nous qui a trouvé qu'il avait la possibilité d'acheter une licence de l'État pour distiller 400 litres. Ce qu'on appelle les bouilleurs de crue en France, oui. 400 litres d'eau de vie. Et donc, on a acheté une partie de sa production. Et donc, nous, on fait faire une eau de vie chez lui chaque année. Mais cette eau de vie, on ne le vend pas. On le donne aux amis. Ah, c'est pour les amis. C'est pour les amis. C'est un secret. Donc, c'est vraiment un secret. Bravo. Est-ce que vous pourriez nous dire juste quelques mots d'un projet vraiment très intéressant, comme nous avons vu chez Jean-Michel Caze à Bages, dans le Médoc, pour ceux qui ont été dans le Médoc à Pauillac précisément, qui au fond, tout ce projet de revitalisation d'un hameau qui est près de chez vous, ça c'est sur le plan de nos tourismes, puisque nous on parle quand même pas mal de nos tourismes, et que Mixed Wine Consulting est aussi un département de nos tourismes dans ce qu'on fait. Pour y dire quelques mots sur tout ce grand projet de rénovation de maison? Quand on est arrivé à Signon, où on a acheté Castillon, donc on a trouvé un village complètement à l'abandon. Et donc il y avait beaucoup de maisons à vendre. Donc en une semaine, on a acheté toutes les maisons qui étaient à vendre. Donc on a fait un effet choc. Et donc on a décidé en fait de faire un hôtel dans ce village. Donc chaque petite maison de vendangeur, ça sera une suite.
Nous, on estime donc les rues du village comme les corridors de l'hôtel. Et donc ça, c'est un projet de rénovation du village. Qui va durer combien de temps, globalement, pour que ce soit terminé? Ça fait déjà 4 ans qu'on a acheté toutes les maisons. On a fait une maison témoin. Mais entre-temps, on a fait tout un programme ensemble avec toutes les autorités régionales et même nationales. Département national, tout. Donc, pour avoir des subventions pour la commune. Et donc, on est fiers de dire maintenant que la commune a obtenu une subvention de 1,5 million d'euros sur 5 ans. Rien. Donc, ça veut dire que la commune a les moyens maintenant de rénover aussi tout ce qui est public. Et nous, on va commencer à rénover donc, le privé. Donc, je pense que tout le projet, ça va durer pour nous.